Le mystère qui entoure une œuvre de cinéma peut parfois rendre un homme obsédé par cette envie de garder une aura autour de ses films, au point d'entourer toute sa filmographie. Le réalisateur dont nous allons parler aujourd'hui reste un mystère à la hauteur de son cinéma, pour les critiques et encore plus de spectateurs. M. Night Shyamalan est un réalisateur d'origine indienne qui officie dans la production audiovisuelle depuis maintenant près de 25 ans. Si l'on parle souvent de lui comme un auteur emblématique du twist final et du cinéma fantastique de la fin des années 90, il est certainement plus probable que vous le connaissiez surtout pour être un auteur tombé en désuétude dans le milieu des années 2000, après une envie d'explorer des possibilités que lui offrait le cinéma hollywoodien. Cela mènera le metteur en scène à s'éloigner de ses thèmes de prédilection pour tenter de s'investir dans des projets plus ou moins passionnants, mais toujours dominés par un besoin de comprendre le 7e art. Il est certain que le cinéma de Shyamalan se base avant tout sur l'idée de maintenir un mystère global autour de ses films et des concepts de ceux-ci. Et c'est en cela que, dès son deuxième long métrage de cinéma, il réussira à investir toutes ses thématiques et ses questionnements au cœur d'un film devenu culte et reconnu comme un classique pour certains. La spiritualité évidente du cinéma de Shyamalan vient ainsi de ses origines et d'un besoin de rappeler le lien intime et parfois pervers que l'être humain entretient avec la Terre et les éléments qui la composent, amenant les personnages du cinéaste la plupart du temps à devoir prendre conscience de leur place dans le monde ainsi que du rapport qu'ils doivent entretenir avec la Terre. C'est en cela que son cinéma se perdra rapidement aux yeux du spectateur, le réalisateur s'éloignant ou se rapprochant avec plus ou moins de subtilité de ses thématiques, pour porter un regard différent et interrogateur sur l'essence du cinéma, le rapport que le spectateur doit entretenir avec des personnages. C'est ainsi qu'au fil de ses métrages, le cinéaste cherchera à placer des personnages se questionnant sur leur identité et sur leur place par rapport au monde qui les entoure. Dans un rapport parfois de l'ordre de l'alchimie ou du métaphysique, il avancera en se posant une seule question, le spirituel de l'au-delà, peut-il nous aider à comprendre le physique du monde réel? C'est ainsi qu'il laissera un homme face à un jeune garçon capable de voir les morts se poser des questions sur sa vie, un surhomme chercher à imaginer ce qu'il pourrait faire de ses pouvoirs, une famille face à l'incompréhension d'une invasion extraterrestre, ou même un homme devant protéger une femme et une enfant d'un soulèvement naturel. Pourtant, à côté, il cherchera à comprendre l'idée d'autarcie, de l'alchimie des éléments par le biais d'un enfant cherchant à les maîtriser, l'abandon de la sauvegarde de la Terre et la place d'une jeune femme mystérieuse. Bref, un cinéaste ne sachant pas vraiment ce qu'il veut faire de ses thématiques et de ses origines, au cœur d'un cinéma qu'il a du mal à cerner. En se posant ces quelques questions, on finit simplement par admettre une chose évidente. Shyamalan est un auteur qui a laissé tout simplement deux cultures bercer son art. En revenant au cinéma horrifique, celui-ci cherche à renouer avec le mystère spirituel qui peut entraîner la métamorphose d'un être humain et de sa pensée. Là où beaucoup ne voient en Shyamalan qu'un compositeur horrifique cherchant à jouer avec notre esprit pour mieux le berner et ainsi le troubler, il faudrait plutôt y percer à jour un metteur en scène obsédé par l'idée de l'être humain face à lui-même, l'être humain perdu dans un monde où finalement il cherche à se faire une place factice. À l'image de Crow, Shyamalan veut montrer que l'homme pense, et même cherche, à se convaincre qu'il a une place sur Terre, alors que finalement, cette place, ce sont les autres, par le regard qu'ils portent sur nous, qui nous la donnent et qui nous la font admettre comme une réalité, que l'on a pourtant cherché à se convaincre du contraire. Plonger dans le cinéma de M. Night Shyamalan, c'est simplement admettre qu'un cinéaste, de par sa perdition artistique, cherche peut-être simplement à se poser les bonnes questions, mais au mauvais moment. Finalement, si on y regarde de plus près, Shyamalan aura su nous prouver que ses questions lui auront permis de retrouver la base de son cinéma, ainsi que ses questionnements fondamentaux.